time has come. The time of the Kurud Super Clan. Salut Valjean, ici Kevin Valmar pour vous servir. Hey, hey. Alors, je dois vous informer d'une chose, apparemment, selon YouTube, vous êtes plus de 85% à ne pas vous abonner. Et toujours selon YouTube, vous êtes entre 18 et 35 ans. Alors aussi, toujours selon YouTube, il y a 7% de femmes qui regardent ma chaîne, donc mesdames, vous n'êtes pas nombreuses, mais je vous salue bien bas. Merci de vous intéresser au contenu que je fais. Bon, reprenons le mouton. Donc, si j'en crois la section de votre âge, à moins que vous ayez déjà Alzheimer, ce qui serait problématique pour vous et votre entourage, je vous conseille donc d'appuyer sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez toujours retrouver la chaîne dans votre liste d'abonnements. Et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos qui sortira, vous n'avez qu'à mettre la cloche. Bon, personnellement, je le fais pas, hein. Perso, je ne mets jamais la cloche quand je m'abonne. Le plus souvent, tout ce que j'ai à faire, c'est juste regarder ma liste d'abonnements et voir s'il y a un petit point bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne. Habituellement, dans 95% des cas, ça veut dire qu'une nouvelle vidéo est sortie, donc voilà, c'est le prototype du Valmar, hein, vous en faites ce que vous voulez. Sachez aussi que le Valmar ne gagne aucunement de l'argent sur cette chaîne. Je suis sérieux, je ne fais ça que par passe-temps, parce que j'ai du temps, je peux le faire, etc. Donc ça fait que... je propose de découvrir les jeux que je fais, soit parce que c'est des jeux que je connais depuis très longtemps, soit parce que c'est des découvertes que j'ai envie de partager. Donc voilà. Donc le mieux pour soutenir mon travail, hein, c'est juste de mettre un petit pouce bleu. Ça me permet déjà de savoir, un, que vous avez apprécié le contenu, et de deux, ça me permettra de m'aiguiller pour savoir ce que vous préférez, et donc ça me permettra de savoir sur quoi je dois mettre la priorité quand je fais mes vidéos. Et vu que les pouces bleus, c'est un peu mon paiement pour le coup, eh bah, si vous voulez rajouter un pourboire, vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours du bien de vous lire, hein, et de savoir ce que vous avez pu penser, etc., de ce que je fais, hein, tout simplement. Bon, évidemment, je ne peux pas non plus vous forcer à mettre un commentaire si vous n'avez rien à dire, hein, donc voilà. Bien que je sois en ce moment derrière vous avec une arme à feu en train de vous viser pour vous obliger à mettre un commentaire, si vous vous êtes retourné pendant que je vous dis ça, eh bien, vous devez vous sentir bien bête, pour le coup. Bref, donc, les Valjean, je vous laisse à la vidéo. Donc, allez, hop, moi, j'ai plus qu'à faire autre chose de ma journée, hein, comme, je sais pas, moi, à faire des vidéos, tiens, en ce moment, j'ai que ça à faire, donc, écoute, je vais faire ça. Bon, des gens veulent discuter? Oui, les gens veulent discuter, bah, c'est parfait, moi aussi, j'ai envie de discuter. Le chroniqueur, parce que c'est toujours celui qui habite le plus loin, hein, et il pourrait vivre au village avec les autres, quand même, à un moment donné, hein. Même Dame Miyoshi a fait l'effort. Oh. Vous ne cesserez jamais de me surprendre. Nous pensions tous que Dame Miyoshi était morte. Je vais devoir faire quelque chose... Je vais devoir faire quelques corrections à vos chroniques. Ah oui, c'est vrai que lui, il écrit notre histoire, oui. La partie, elle se sacrifia pour lui. Il va falloir la changer. Bon, évidemment, il y a à parler au chef, mais... le chef, comme d'hab... Et je viens de comprendre qu'en fait elle crèche chez nous en fait, Dame Miyoshi, d'accord. Alors tu me diras, on est un peu le seul à avoir une maison correcte. Miyoshi. Je me réjouis que Dame Miyoshi aille bien. Oh. Parfois le bout de la route n'est pas où on le pense. Effectivement, comme tu le dis, le vieux. Ah, Sumire, ma petite Sumire, toi, tu dois être contente de la revoir. Ah, Miyoshi? J'ai senti une aura familière qui approchait. C'est alors que Dame Miyoshi est apparue. Elle tenait à peine debout. So,
Mais c'est très étrange. L'aura que j'ai ressentie n'était pas celle de Dame Miyoshi. Je vous le dis, c'est un espion! C'est pas la vraie! La vraie est vraiment morte et ça c'est juste un spectre créé par Tsubuyaku pour endormir notre confiance. Il a essayé de nous donner son histoire pour qu'on ait pitié de lui justement, mais... ça ne changera rien au crime qu'il a fait. Et ouais, il veut l'affection mais de force quoi. Il laisse pas les gens avoir le choix quoi. Miyoshi? Dame Miyoshi est revenue? Tsubuyaku n'a donc pas réussi à la tuer? Pour l'instant, rien n'est dit, hein. Tant mieux. Je ne suis pas surpris. J'ai toujours cru en Dame Miyoshi. Elle est sage et dégourdie. Pareil que moi. Ouais. Bah, je suis... moi, je vous le dis, les gars, je suis méfiant. Miyoshi. Dame Miyoshi est formidable. Ainsi donc, elle a survécu à son combat contre Tsubuyaku. Non, moi, je suis sûr, c'est un fake. Fake news. C'est quelqu'un d'incroyable. Moi, j'y crois pas. Kurai, on sait tous que t'es parano. Non, non, je le sais, j'en suis sûr. J'en suis sûr, c'est pas la vraie. Il reste plus qu'à parler à l'autre dégénéré dans sa petite cellule, là. Allez, vas-y. Confirme mes soupçons. Je sens l'odeur du sang. Les hordes de la mort mettent Akatsuki et Nensho à feu et sang, tandis que vous détournez le regard. Paix est le plus important, la victoire ou la paix? Pour une fois, j'ai pas envie de donner des raisons à ce mec, mais pour une fois, il a raison. Bon, maintenant... faut aller voir le chef qui est donc dans notre maison avec Dame Miyoshi. Salut, alors, comment ça va? Ah bah elle est déjà debout. Bah c'est déjà ça. Ahem, ahem. Alors ça va chef, qu'est-ce que vous avez découvert? Je suis sûr que t'es pas la vraie. Wari. Poursuivez, guerrier. Je vois dans vos yeux que vous connaissez déjà le secret de Dame Miyoshi. Dana. Je suis moi-même une Aragami. Aragami de. Et je comprends plus rien, c'était l'histoire de Tsubuyaku ou l'histoire de Miyoshi qu'on a découvert là sur les cailloux? Je regrette de ne pas l'avoir dit avant. Mais donc t'es une Aragami? Bah tu ressembles pas tellement à une Aragami, excusez-moi. On est censé être des cadavres ambulants, je rappelle. Bon, tu me diras, il y a le fait que l'histoire qu'on a lue sur les cailloux ont l'air de dire que c'est l'histoire de Tsubuyaku et qu'il est né Aragami. Donc est-ce que ce serait donc une Aragami originelle? Ce serait possible. Après tout, dans le premier Aragami, les utilisateurs des ombres étaient des humains. Du coup, question à se poser, quoi. J'ai perdu la mémoire quand je suis devenu Aragami. Ah bah ça, c'est pas de bol, tiens. Et les quelques souvenirs qui me revenaient étaient trop douloureux. Mais je refusais de vous cacher la vérité. C'est mon journal, lisez-le si vous y tenez. Ensuite, nous parlerons des moyens de vaincre Tsubuyaku. Ah ouais, y a pas qu'un peu là, y a pas mal de pages. Ok, c'est l'heure de la lecture. Alors, première lune d'hiver, quatrième jour. Les cloches ont à nouveau sonné ce soir. À l'aube, la fumée ne s'était toujours pas dissipée. Encore un village de détruit. Les paysans de la vallée peuvent à peine contenir les incursions d'Akatsuki. Je suis descendu de la montagne pour vaquer aux blessés, mais ces scélérats d'Akatsuki ont mis le feu aux cultures. Sans rien à manger, les blessés ne se remettront jamais. Mon père est resté chez nous pour veiller sur Mio. Ses pouvoirs curatifs ne suffisent plus à soulager sa douleur. Ma très chère fille, sois patiente. Je trouverai un remède. Attendez, là je comprends plus rien. Attendez, faut... mon cerveau est en pleine explosion là. Donc déjà, Dame Miyoshi serait maman. Bon, ça j'y crois moyen, ça je pense plutôt que c'est justement les écrits de sa mère, ça plutôt, hein. Parce que Mio, Miyoshi, voilà. Ensuite, non, je sens vraiment que c'était Tsubuyaku, l'histoire qu'on avait eue sur les rochers. Parce que quoi, ça voudrait dire qu'elle a essayé de soigner les gens et de forcer à avoir leur affection? Non, je pense pas. Je pense pas que Dame Miyoshi soit comme ça, quoi. Qu'elle aurait voulu forcer l'affection des gens en les soignant avec donc ses pouvoirs d'ombre d'Aragami. Non.
Non, non, je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Je veux pas que Dame Miyoshi ait ce côté sombre en elle. Non, je la vois vraiment comme une personne pure qui essaye vraiment d'aider comme elle peut. Je pense vraiment que c'est plutôt Tsubuyaku qui a eu une enfance difficile. Il a un peu pété les plombs à cause de ça et on a vu ce qu'il est devenu. Alors, quatrième lune d'hiver, septième jour. Je n'ai guère de temps. J'ai pu accéder à mon journal sous prétexte de consulter mes notes. Akatsushi nous a attaqué et nous revoilà prisonniers. Nobu, le général de l'armée d'Akatsushi, nous a fait prisonniers après avoir donné l'assaut avec ses haragami. Mon père et moi pouvions sentir la fièvre de l'âme qui rongeait nos assaillants. Et puis Nobu nous a fait étudier les haragami. Il compte lever une armée invincible. Si nous lui donnons ce qu'il veut, d'autres innocents viendront à périr. Nos conditions de vie sont inhumaines et la santé de Mio se dégrade. Il faut que je gagne du temps. Non. Mio, maman, elle, avec la tête qu'elle a, tout ça, etc. Non, j'y crois pas. Deuxième lune du printemps, dixième jour. Elle est morte. Mio est morte. Je n'ai pas réussi à la sauver. Ni même à l'enterrer. J'ai attaqué les gardes. Rien ne comptait plus. S'ils avaient refusé de me rendre mes journaux et de m'accorder des conditions de travail convenables, j'étais prête à m'ôter la vie. Désormais, je peux de nouveau accéder à mes connaissances. Et même aux notes de grand-père. J'ai décrypté le code. Je n'ai plus qu'à les déchiffrer. J'ai détecté l'incommensurable pouvoir d'une essence de vie qui sommeillait. Elle se trouve dans un lieu reculé quelque part dans les montagnes. Père dit que je dois faire mon deuil de Mio. Mais je suis convaincu qu'avec ce pouvoir, je pourrais la ramener. Je peux vaincre la mort. Ok. Deuxième lune du printemps, 16e jour. Ce scélérat de Nobu n'a pas tardé à s'intéresser à mes travaux. Sitôt il a mesuré ce qu'il pourrait accomplir avec un tel pouvoir, il a accepté. Il a monté une expédition scientifique pour chercher cette puissance en sommeil. Des soldats nous accompagnent ainsi que des prêtres initiés à l'essence. J'espère que je n'aurai pas besoin d'eux. Père est trop vieux, mais il a insisté pour venir avec moi. Il craint que je ne cours un risque trop grand. Il ne comprend pas. Je ne reculerai devant aucun danger pour sauver Mio. Je n'aurais jamais cru récupérer ce journal. Troisième lune d'été, 20e jour et quelques. Donc je n'aurais jamais cru récupérer ce journal. Il contient trop de souvenirs. La fièvre de l'âme m'a fait oublier les à côté de cette expédition. Ainsi, après une semaine d'un périple parmi les montagnes occidentales, au cœur du fameux bois du souvenir, nous avons localisé la source du pouvoir en sommeil. Tsubuyaku. C'est alors que nous avons commis une grossière erreur. Nous avions activé un saut de protection qui a causé bien des morts. Dont la mienne. Ou peut-être suis-je presque morte. Père a fait de moi une haragami alors que j'agonisais. C'est ainsi qu'il m'a sauvé. Je maudis ce jour. Père avait raison. Le risque que j'ai couru était trop grand. Son corps vieillissant n'a pas supporté la technique de scellement. C'est sa vie que j'ai risquée et j'ai tout perdu. Oui, c'est bien ça, donc... Attendez. Bon, déjà, Miyoshi et maman. Ça, c'est l'information à digérer. Ok. Mais donc bien l'histoire qu'on a vue sur les rochers, c'était bel et bien l'histoire de Tsubuyaku. Qui racontait pourquoi il faut surtout pas le libérer. Sauf que Miyoshi, qui était en deuil par rapport, enfin qui avait du mal à accepter la mort de sa propre fille, l'a donc libéré sans le vouloir. Et son père donc s'est sacrifié pour qu'elle puisse devenir une haragami et donc survivre. Eh ben dis donc, Mio, tu m'étonnes que justement t'as une grosse envie d'aider les gens là maintenant. Donc en fait, quelque part, en fait, Miyoshi et Tsubuyaku avaient le même objectif, c'est-à-dire sauver des gens. Sauf que elle voulait juste sauver sa fille. Lui, il voulait sauver des gens pour obtenir leur affection, quitte à l'avoir de force. C'est intéressant comme personnage. En tout cas, dans un jeu vidéo comme Haragami. Donc, dernière lettre, troisième ou quatrième lune d'été. Je suis toujours enfermé dans cet endroit de malheur. Trop faible pour affronter ces créatures. Dire que si j'avais réussi, Mio serait devenue l'une d'elles. J'en frémis d'horreur. J'étais trop naïve, nul ne peut vaincre la mort. Quand bien même, je m'y suis dérobé par deux fois face à Tsubuyaku. Je dois m'échapper d'ici et réparer tous les torts que j'ai causés. Mais avant tout, il me faut retrouver le pendentif qui renferme mon âme. Je me souviens d'un temple dans le bois du souvenir. Un refuge. Des soldats montaient la garde devant les richesses dépouillées. Et le coffre où Tsubuyaku reposait. Quoi, il était enfermé carrément dans un coffre ? Je croyais qu'il avait été enfermé dans une espèce de cellule, d'après les cailloux. Bon.
J'étais faible, mais j'ai saisi l'occasion de m'enfuir. C'est là que j'ai dû égarer mon pendentif. Il est sûrement là-bas, quelque part. D'accord. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est l'autre là qui nous avait dit venez nous aider. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'était le message de Mao. Est-ce qu'il y a d'autres lectures par hasard qu'il y a dans ma maison? Non, c'est bon. Je peux y aller. Je peux faire la causette. Bon, Miyoshi, tu es donc maman. Ok, je trouve qu'elle a un visage un peu jeune. Ou alors sa fille est morte très très jeune, justement. Mais voilà quoi. Donc, Miyoshi, maman. D'accord, ok. Non mais... on digère l'info et on dit ok. Là, vous connaissez mon histoire. Merci d'avoir retrouvé le pendentif qui contient mon âme. Ah oui, c'est ça, c'est donc bien son vieux père. Donc elle, elle est à gauche et donc sa fille était là, d'accord. Hé hey, je viens de remarquer un truc. Le papy, il ressemble à notre chef et la fille ressemble à Tsumire. Est-ce que quelque part, ça veut dire qu'elle trouve une nouvelle famille avec nous? Quelque chose comme ça? Sincèrement, j'en sais rien, mais si c'est le cas, c'est joli comme parallèle. Le fait qu'elle a perdu son ancienne famille et qu'elle est en train d'en retrouver une nouvelle qui ressemble justement à l'ancienne, mais qui est différente. Et donc une famille qu'elle va vouloir mieux protéger que celle qu'elle a perdue auparavant. C'est un souvenir de ma famille, ça se voit, ouais. Tsubuyaku. C'est à cause de mon imprudence que Tsubuyaku s'est réveillé. Naïvement, j'ai cru que son pouvoir pourrait ramener ma fille. Donc oui, tu es bien maman, d'accord. Même toi, tu le confirmes. Mon père est mort pour me sauver. Et Akatsuchi a capturé Tsubuyaku pour se livrer à des expériences sur lui. Mais nous avons commis l'erreur de le réveiller. Et nous devons désormais l'arrêter. Comment? Si seulement nous savions où il est... Je sais où trouver Tsubuyaku. Aragami, avez-vous les racines mémorielles? C'était quoi ces trucs? Déjà, c'était pas un des machins qu'on nous avait demandé de récupérer pour renforcer notre amulette ou je sais plus quoi, là. Elles sont les représentations des souvenirs de quiconque est enterré en harmonie avec l'essence du monde. Ah, parce que carrément, le monde a une essence? Ouh là là, alors, il y a l'essence des ombres, l'essence de vie, l'essence de lumière, l'essence de feu. On sait qu'il y a l'essence de vent, de terre et je crois d'air. Et maintenant, vous me dites qu'il y a aussi l'essence du monde. Ça fait 8. Attends, à moins qu'il y avait aussi l'essence de foudre. Oh, je sais plus. Oh là là, il faudrait que je retrouve, que je rejoue au DLC du premier Agami qui montrait justement un tableau qui montrait les différents types d'essence. Les avez-vous vu surgir de la terre? Quand j'ai récupéré le pendentif qui contenait mon âme, mes derniers souvenirs perdus me sont revenus. Un royaume du temps jadis est enfoui sous la vallée. Tsubuyaku se trouve au plus profond de la vallée de Rashomon. C'est là qu'il vient, et c'est là qu'il se cache. C'est de là qu'il vient, et c'est là qu'il se cache. Quand bien même, comment en viendrons-nous à bout? Nos âmes sont sous son emprise et sa volonté nous contraint. J'en chasserai mon fragment d'âme dans le guerrier. C'est ainsi que je déférerai l'emprise de Tsubuyaku. Mais je serai bien incapable de le vaincre par moi-même. Je n'ai pas un tel pouvoir. Il me faut l'essence de 3 âmes puissantes, celles de chefs éprouvés par des batailles innombrables. Chef Katashi, j'aurai besoin de votre aide, de même que celle d'Akai et de Nobu. Alors, autant le chef, je crois qu'il peut être d'accord, autant les deux autres... Je pense qu'elle va être un peu compliquée de négocier. Oh ouais, le chef est surpris, tu m'étonnes. Le chef d'Akatsuchi et de Nensho. C'est le seul moyen. C'est notre seule chance de vaincre Tsubuyaku. Bon bah t'es content le vieux? On va récupérer les âmes des deux autres de force parce que c'est sûr ils vont pas nous les donner. Du coup toi tu vas pouvoir réussir à faire ton objectif depuis le début de arrêter la Katsuchi et la guerre civile qu'il y a avec entre les deux frères pour sauver la vallée. T'es plutôt content non? Là on a carrément le feu vert là, on a une excuse et tout. J'aurais préféré d'autres alliés. Alliés? Moi je crois plutôt qu'on va les buter et on récupère leurs âmes non? On peut pas faire un truc comme ça? Non parce que les deux gars, ça a pas l'air d'être détendre hein, vu leur méthode. Mais je m'en accommoderai. Bon, bah, s'il faut faire comme ça. Wari. Guerrier, allez retrouver les reliques sacrées d'Akatsuchi. Je crois savoir comment les amener à coopérer. Ah oui, on va faire du chantage, carrément. D'accord. Acceptez la mission, les reliques sacrées d'Akatsuchi. Ben voilà, youhou! Et c'est loin. C'est la mission 47. Ok.
Normalement, c'est la dernière avant le dernier chapitre. Ok. Mika, telle une ombre, nous te suivons. Bon, après, si je voulais vraiment jouer les ombres, j'aurais dû prendre une tenue exactement comme la tienne, mais je n'ai pas du tout tous les éléments, hein. Je me suis pas amusé à récupérer tous les plans. En tout cas, pas ceux que t'as récupérés pour avoir cette tenue. Ah, c'est vrai, j'oublie toujours qu'ils ont des haragami eux aussi maintenant. Attention, il y a un haragami. Oula. Et il y en a même plus qu'un seul. Bah, j'ai essayé de l'avoir dans le dos, mais... qui nous a entendu. Il va venir. Ils sont quand même agiles hein, pour des gars en armure. Et justement, une des reliques est là, quoi. Attends, on va attendre que l'autre y passe. Toi tu assommes celui-là et moi j'assomme le mec en armure de samouraï. Ah, va le faire. Il va aller à l'autre fenêtre et va se dire c'est beau par ici. Vas-y, assomme-le, assomme ton gars. C'est très joli ce soir. Mais qui a bien pu éteindre la lumière? Ok, un gros marteau. Oui, ça peut être une relique effectivement. D'après Skyrim, un marteau, une hache, tout ça, ça peut être une relique, du coup, pas de problème avec ça. Ah, les saletés d'Ariami, ils sont partout, j'ai l'impression. Ça va me manquer un peu Haragami 2. Enfin surtout te suivre dans Haragami 2 plutôt, parce que on va pas se cacher, je suis plutôt mauvais. Donc la relique est là-bas. On a une deux fenêtres ouvertes, dont une ici. Ouais, je pense qu'on peut réussir à la faire. Il y a un peu beaucoup de monde, mais ça doit être gérable. Ouais, il y a lui, mais il y a l'autre là qui va arriver. Oula. C'était le risque à payer. Eh ben allons-y, combat. C'est un peu la fin du jeu donc. Fallait pas m'énerver. Bon, toi tu récupères le fric, moi je récupère la relique. Donc une espèce de collier, je dirais. J'aurais préféré ne pas le tuer, mais comme d'hab, je trouve que la touche pour assassiner et assommer, en fait, c'est pas une bonne idée de les mettre dans cette position-là, en fait. Du fric, du fric, du fric. Et une couronne. Donc un marteau, un collier, une couronne. Une latence qui...
Putain, moi je crains toujours une latence, tu sais, au moment où... où je fais un saut. Et on rentre. Bon bah ça va, bon, on s'est fait repérer une fois, mais ça va. J'ai vraiment l'impression que le jeu essaie vraiment de te dire « Vas-y, tue-les !» Parce que j'ai l'impression qu'on récupère plus d'XP en tuant des mecs qu'en les laissant en vie, en fait. Oula ! Qu'est-ce que c'est que cette ambiance ? Y'a personne qui est dispo. Y'a juste le vieux maître. Et y'a un brouillard. J'aime pas ça. Iwa, rassure-moi. On part pas sur un truc du genre... Ça y est, il est là et je peux pas changer de tenue. Non, parce que... Faut que je change de tenue avant le chapitre final. Cacho ! Le village a été attaqué. Ah bon ? Ils auraient pu faire l'effort pour faire que ça fasse un peu ruine. Qu'il y a un peu des dégâts et tout. Parce que là, on dirait juste que le village s'est vidé comme d'habitude. Que tout le monde est à la cérémonie dans la forêt ou un truc du genre. Parce que là... Un groupe d'Aragami contrôlé par Tsubuyaku a surgi de la grotte funéraire. Grâce aux dieux, les guerriers ont réussi à les refouler à l'intérieur. Mais Tsumire a disparu. Quoi ? Ok, on arrête tout. Fin des priorités. Tsumire est la priorité. Je m'en fous de l'alliance, je m'en fous des chefs. Je vais juste tabasser Tsubuyaku, lui ordonner de nous redonner Tsumire et d'attendre qu'on ait terminé notre petit truc pour l'affronter avant de faire l'affrontement final. Bon, je suis pas sûr que cette dernière partie il accepte, mais... Sauver Tsumire. Justement... Je vais me remettre la tenue normale. Histoire d'être raccord avec la cinématique. Enfin, raccord. Techniquement, je sais que ça peut montrer justement les éléments de tenue qu'on a débloqués dans les cinématiques, mais... Là, c'est le final. Là, c'est bon. Ah, elle pleure carrément. T'as la vache. Bon. Le masque de base. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Tac, tac. Et même l'épée, je suis obligé de la mettre en normal. Parce que c'est le skin de Kurai, justement. Le skin du Haragami. De Haragami 2. En plus, j'aime bien le petit côté noir de sa tenue. Bref. Donc voici donc avec la tenue de base, avec le masque qu'on est censé porter. Maintenant d'aller sauver Tsumire. Petite, j'arrive. Enfin, Ika arrive, on va surtout dire, parce que... ben, on s'est compris. Hein. Sinon, ouais, y a personne à qui parler, on est bien d'accord. On est bien d'accord, personne veut parler, tout le monde est en mode... Dieu, quel homme. Ah d'accord, il faut carrément aller direct là. D'accord, ok, j'arrive. Excuse-moi Ika, je croyais qu'il fallait prendre une mission, en fait. Oui, j'arrive. C'est bon. Enlève-moi justement ce pointeur, j'ai pas envie d'être gêné. Enfin, est-ce qu'on peut l'enlever au moins le pointeur quand tu le mets quelque part? Attends, je vais voir. Ah non, marcher dessus ça sert à rien. Bon. Ah, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Soupir. Bravo, super dialogue. Bon, au moins on va savoir... Oula. Ok, j'aime pas beaucoup la pose du personnage là-bas en fond. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux pas quelque chose... Vous laissez Tsumire en vie. Oh, pas du genre, on a sacrifié l'enfant, hein. Normalement, s'il y a bien une règle dans les jeux vidéo et dans les films qui est respectée, c'est que les enfants survivent. Il y a que dans les films d'horreur et les jeux d'horreur que ça arrive que les enfants peuvent mourir, sinon ils sont toujours vivants, hein. Hein, t'es toujours vivante, petite, hein. Ah, s'il vous plaît, me faites pas ce coup-là. Tazo. Merci d'avoir sauvé Tsumire, guerrier. Oh la vache! Merci, grand dieu. On l'a sauvé. Ouf!
Enfin, elle est bien. Y a plus de risque, hein. On est d'accord, hein. Hein. Elle risque plus rien, là, on est sûr, hein. Non, parce que, déjà, le coup de Dame Miyoshi, c'était quelque chose, mais alors là, si c'est Sumire, c'est bon. Je prends mon katana et je me fais harakiri, là. Elle a été touchée et ne réagit pas. Dame Miyoshi est à son chevet, elle doit se reposer. Tsubuyaku. Tsubuyaku devient chaque jour plus puissant. Et ouais, il a même réussi à traverser la barrière maintenant que j'y pense. Avec son super pouvoir, là. La conquête de l'ancien Kurotsuba va beaucoup trop loin. Nous devons l'arrêter. Le chroniqueur a rédigé des missives pour Akai et Nobu. Allez les leur porter, de même que les reliques, en gage de respect et d'honneur. Akai viendra sauver les siens. Nobu en fera autant, même s'il a d'autres motivations. Le temps presse, nous ne tiendrons plus très longtemps. Ah ouais, mais apparemment vous voulez maintenant... Maintenant ils veulent tous faire la causette. Dame Miyoshi souhaite garder secrète sa nature d'Aragami. Machi. Faites-vous discret, guerrier. Ok, chef. Et vous, Dame Miyoshi, occupez-vous bien de la petite Sumire, hein. C'est terrible. Pauvre Sumire. Elle est partie chercher sa mère. Mais cette chose n'est plus sa mère. Je l'ai laissée se remettre dans mon sanctuaire. Elle n'a réagi à aucune sollicitation. La fièvre de l'âme gagne du terrain, j'en ai peur. Oh non. Ah non. Ah non. Pas Sumire. Non, eh oh. Pas elle. Je n'ai pas mesuré les dangers de la grotte funéraire en créant le sceau de protection. Faites vite, Aragami. Sumire a besoin de vous. Ah oui, je veux bien aller vite, mais vous tous, vous voulez qu'on fasse la causette. Chroniqueur, qu'est-ce que t'as écrit exactement dans tes lettres? Ah, je traverse les textures encore. Je n'ai pas paniqué. Bon, chroniqueur. Akai. Akai est un homme d'honneur, dévoué à son peuple. Ouais, enfin, il utilise quand même nous autres pour ses mines, hein, je rappelle. Hein. Juste pour info. Il sait que nous sommes perdus et si nous laissons agir les hordes. C'est qu'une question de temps. Nobu, en revanche, il entretient d'autres motivations. Connais ton ennemi et connais-toi toi mieux. C'est la devise pour ne jamais craindre une bataille. Promis. Les messages feront mouche. Eh ben, j'espère, l'ami. Surtout avec le Nobu, là, parce que si, comme vous dites, il est du genre à penser à d'abord à ses fesses, ça va être compliqué, cette affaire. Arrête de tomber! Et arrête de ralentir! Allez, qui c'est qui veut parler, maintenant? Ah, là, je suis motivé, là. Là, je suis motivé, je veux casser des dents, là. Surtout à Tsubuyaku. Je sens que mes vieux os ne pourront plus endurer d'autres batailles. Quand des Aragami ont surgi de la grotte, je n'ai rien pu faire. Si la jeunesse ne m'avait pas quitté, peut-être Sumire serait-elle encore parmi nous. Arrêtez de dire comme si elle était déjà morte. Elle est pas morte, d'accord? Elle est pour l'instant en état de fièvre. Un, deux, trois... Ok. Donc, Danjuro d'abord. Allez, Danjuro, fais-nous rire. Où j'étais pendant l'attaque? Sûrement pas caché dans le chariot, ça non, alors. Espèce de connard. T'aurais pu au moins protéger Sumire. J'ai défendu l'honneur de Kurotsuba avec tous les autres. Tu parles, ouais. Menteur. Mes armes et mon armure ont contribué à l'affrontement contre les Aragami de Tsubuyaku. Mais je ne dois reculer devant aucun effort pour m'améliorer chaque jour. La prochaine fois, je créerai une épée invincible. Haisho. Nul innocent ne devrait craindre pour sa vie quand vous êtes dans les parages, guerrier. Oh, mais là, tu m'intéresses, là. Est-ce que ça veut sous-entendre qu'on va nous faire une épée comme l'épée qu'on avait eu le droit de gagner dans... à la fin du premier Aragami, où on avait l'épée de lumière qui nous a permis de vaincre le boss final. Ça pourrait être sympa. Oh, toi, t'as changé de teinture, non? Ou alors, c'est juste qu'il y a plus de lumière, donc ça te fait plus lumineux, mais... oui, le fou furieux dans sa cellule, c'est vrai, je l'avais un peu oublié, celui-là. Ah, parce que ce serait bien d'avoir une épée endgame. C'est toujours sympa d'avoir une arme ultime comme ça à la fin du jeu. Ça donne vraiment la sensation que tu as l'arme unique pour battre le boss final, quoi. Tic, tac. La fin est proche. Cette jeune femme n'était que la première. Vous connaîtrez bientôt le même sort.
Ouais. Alliance avec Akai, alliance avec Nobu. Bah, on va commencer par Akai, celui qui a l'air d'être, on va dire, le plus raisonnable. En tout cas, de ce qu'on nous a dit, hein. Bon, il utilise les Aragami pour ses mines, mais... Voilà, on fera avec. Ah, tu veux me montrer quelque chose? Parce que je vois qu'il y a le pointeur, là, donc je sais pas si tu veux me montrer un truc. Je vais rejoindre Ika, je crois qu'elle veut me montrer quelque chose, alors on va voir. Ben, j'ai peut-être ignoré, ça veut dire vraiment qu'on enregistre depuis un bon moment, là. Mais c'est bien, on se rapproche de la fin. À moins que tu... Si t'as rien à me montrer, rends-toi au tableau des missions. Parfait. Eh, sérieux, hein, parce que s'il y a la tombe de Sumire, faut que tu me la montres, hein. Bon, j'aimerais pas la voir, mais... Hop. Alors... Alliance avec Nobu, non. Alliance avec Akai. Fantôme, évitez d'être découvert et ne tuez personne. Ok, donc on est obligé de jouer en fantôme. On doit tuer personne et on va pas se faire opérer. Ça va être compliqué pour moi, mais on va essayer. Allez Valjean, ici Kevin Valmar à nouveau pour vous servir. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous regardez habituellement les scènes post-crédit au cinéma. Bon, je peux pas vous enlever ça, on est de plus en plus nombreux à le faire. Donc, pour ceux qui ont sauté l'intro de la vidéo, ou qui ont sauté les 5 premières minutes, ce qui serait quand même étrange, mais sait-on jamais, n'oubliez pas de vous abonner afin de pouvoir retrouver plus facilement la chaîne. Mettez la petite cloche, histoire d'avoir des notifications par rapport au fait que si jamais je sors un nouveau contenu, bah vous serez prévenu. Bon, perso, je le fais pas, hein, puisque comme j'ai déjà expliqué, il suffit juste de regarder sa liste d'abonnements. Si vous voyez qu'il y a un petit rond bleu qui apparaît à côté du nom de la chaîne, bah c'est tout simplement qu'en fait, dans 95% des cas, il y a une nouvelle vidéo qui a débarqué. Donc, voilà, quoi. Disons que le coup de la cloche, c'est un peu le délire de YouTube, mais bon, on va rien dire. Je vous rappelle aussi que je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne, je ne fais ça vraiment que par passe-temps. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, le seul truc que vous avez à faire, c'est tout simplement me mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, comme on dit maintenant, tout simplement pour dire que vous avez apprécié le contenu. Et comme ça, ça me permettra au fur et à mesure du temps de savoir ce que vous aimez le plus sur la chaîne, et donc sur quoi je dois mettre la priorité, afin de vous donner toujours du contenu que vous appréciez. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa de lire ce que racontent les gens, hein, et surtout ce que vous voulez me dire à moi. Bon, je peux pas vous forcer non plus de mettre des commentaires parce que j'adore vraiment lire les commentaires, je veux vraiment savoir ce qui vous passe par la tête, tout ça, etc. pour mieux savoir ce que je dois faire sur la chaîne, tout ça et compagnie, mais bon, comme j'ai dit, je ne peux pas vous forcer, donc, voilà. Mais pensez-y, hein, ça fait toujours un petit plaisir au petit cœur du petit Valmar. Donc voilà. Donc sur ce, les Valjean, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite. Et ciao ciao, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.